J'espère que vous allez bien, je vous retrouve ici pour un haul assez important de chez Action, ça faisait un petit moment. J'espère que tout va bien de votre côté, j'ai pas mal de choses à vous montrer dans un ordre hyper aléatoire. Avant de commencer, je vais vous présenter un produit que j'ai reçu gratuitement de la marque Luxeol. C'est un sérum qui favorise la repousse des cheveux, ou la pousse du moins, et qui promet 7917 cheveux en pleine croissance. Voilà, c'est une marque qui est en pleine expansion et qui a montré des résultats assez intéressants. Ici vous avez un tube avec un embout qui permet l'application, donc qui contient 50 ml de produit, et j'avoue que ça m'a l'air assez intéressant. Je vous invite à aller faire un petit tour sur leur site, donc sur le site de Luxeol. Vous verrez qu'ils ont toute une gamme de produits capillaires qui en général permet de favoriser la pousse ou la fortification des cheveux. Je les remercie de me faire confiance et de m'avoir envoyé ce produit. Merci infiniment à eux et n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je viens avec... Hop. Voilà ce que j'ai à vous montrer. D'ailleurs j'ai acheté le petit sac du moment chez Action. Je crois qu'il coûte 59 centimes de mémoire. Comme d'habitude, je vous mets le prix en bas ou en haut, vous verrez, de chaque produit, et je vous les présente dans un ordre, comme je vous disais, hyper aléatoire. Donc sachant que moi je suis Noël à fond et que ben, je vis les choses à fond en ce moment, donc j'ai acheté pas mal de bricoles et j'ai essayé aussi de penser un peu aux autres, notamment j'ai prévu 2-3 petites bricoles pour l'école de ma fille, donc les personnes qui s'occupent d'elle toute la journée, etc. Juste une petite bricole, une petite attention, histoire de faire plaisir et de dire merci. Donc vous allez voir, je commence tout de suite par un truc qui s'est cassé la figure. Alors je commence par ceci, c'est un trio de pots de Barbe à Papa. Vous voyez, il y a 3 petits pots individuels avec ouverture. Enfin, je trouve que c'est assez sympa, ça coûte moins d'un euro, elle est très bonne, je l'ai déjà achetée. Je vous conseille, si vous arrivez à la trouver, moi je l'ai vraiment trouvée, elle était posée comme ça au milieu de nulle part. Et je l'ai prise quoi, voilà, enfin j'ai vu que c'était bien intact et du coup je l'ai prise. J'ai aussi pris des cartes de vœux spéciales Noël avec le dessin de sapin qui avait un effet un peu DIY. Vous voyez, ils disent faites main. Donc à l'intérieur il y en a 5 et moi je vais les mettre avec les petits présents que je vais donner à l'école de ma fille. J'ai pris les candy cane, je crois qu'on dit sucre d'orge. Ici, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc 12, ben, c'est marqué, en fait, il suffit de lire. Donc ça, je vais l'offrir. Je vais le mettre dans un petit sachet. Je vous mets le prix à chaque fois. J'ai pris pas mal de petits crackers comme ça de praline qui coûtent 99 centimes. Et qui contiennent donc, moi bon, c'est une petite attention, hein, du chocolat au lait à l'intérieur. Ça doit être emballé individuellement. J'en ai pris 3 comme ceci. Donc ça c'est ce que je vais offrir, que je vais mettre dans les petits sachets. Je trouve que c'est vraiment pas cher et c'est très mignon. J'ai aussi pris ceci. Donc les petits candy cane avec le, dans un pochon en forme de Père Noël. Il existe dans notre forme, hein, ça coûte 89 centimes je crois de mémoire. Je la vois un peu cassée hein, parce que je suis un peu malade. J'ai pris, ça c'est pour nous cette fois-ci, un autre paquet de candy cane, comme ceci. J'ai pris une tasse avec des petits chocolats sur le thème de Noël. Celle-ci est écrit Sweet Holiday avec le biscuit. Hop. J'ai ensuite pris, elle l'a pas vu encore, des petites couches pour le poupon de ma fille. Ça coûte je crois 99 centimes, il y en a 2 à l'intérieur, c'est hyper réaliste et je trouve que c'est trop mignon, ça lui plaît de s'occuper de son bébé. J'ai pris ce cahier de coloriage sur le thème des princesses, à l'intérieur il y a des coloriages mais aussi des stickers. Voilà, donc on voit les jasmines, la belle, etc. Ça c'est 1,99€. J'ai pris 4 sachets comme ceci, 4 sachets cadeaux, vous voyez, un petit nœud, je trouve c'est très joli. C'est pas très cher, je vous mets le prix, je me rappelle plus. Un comme ceci. Un comme ceci. Et un comme ceci.
Voilà, donc je mettrai des petits présents à l'intérieur. J'ai pris en ce moment en promo la couronne en paille qui est à 79 centimes. Bon, c'est pour décorer, je ne sais pas exactement encore comment je vais la présenter. J'ai pris 3 rouleaux de papier cadeau sur le thème de Noël. Donc j'ai trouvé que celui-ci était assez sympa avec les petits sapins et le Père Noël. Celui-ci un peu plus soft, un peu plus, comment dirais-je, un peu plus smart avec des cerfs dorés. Et celui-ci, vous voyez, blanc, rouge et beige avec des cerfs toujours et des, comment dire, je trouve plus le mot. Bref, des rennes, voilà, c'est ce que je voulais dire, pas des cerfs, des rennes et puis des petits sapins, etc. J'ai trouvé, il n'y en avait plus, parce que j'y suis allée deux fois, des boîtes cadeaux comme ceci qui sont en promo en ce moment. Moi, c'est d'abord dans un but décoratif. Vous voyez, je crois qu'elles sont à 1,59€. Et celle-ci, j'ai trouvé très mignonne aussi. Donc ça, c'est dans la, cette semaine dans la promo. J'ai pris, ça c'est en prévision d'une certaine fête, un personnage Marvel Black Panther qui est coût 9,49€. Et je trouve qu'il est assez bien fait si vous regardez dans les détails. Ça fait assez qualitatif. Voilà, 9,49€. J'ai pris ensuite un autre paquet de pralines comme ceci. J'avais pas vu qu'il y avait deux modèles différents. Donc toujours 99 centimes. Ça c'est la deuxième fois quand j'y suis retournée. J'ai pris de la pâte à sucre pour décorer. J'envisage de faire les biscuits de Noël. Donc j'ai pris de la pâte à sucre, deux paquets comme ceci dans des teintes différentes. À l'intérieur il y a 3 tubes de 30 grammes. Et ça permet a priori facilement, il y a les embouts, hein, ils disent que dedans il y a inclus 3 embouts, si vous arrivez à le lire. Et donc j'ai pris des couleurs, voilà, du rouge, du vert, etc. si je veux faire des petits dessins sapins et ainsi de suite. J'ai pris un gel douche pour ma fille, toujours Teddy Care. Je vous ai dit celui-là il est clean, donc vous pouvez y aller tranquille. Un plat en bois en forme d'étoile qui est doré. Donc ça c'est essentiellement décoratif, je crois qu'il coûte 1,99€. Désolée, je me penche beaucoup mais j'ai pas le choix. Voilà, j'ai aussi pris, alors bon je sais c'est très bizarre mais bon c'est pour ça, c'est pour rigoler. C'est pour ma fille, donc je lui ai pris cette crotte gluante, voilà. Ça fait comme une main gluante a priori. Les piles Panasonic à 99 centimes qui sauvent bien la vie quand même, les 4 LR6. Un œuf surprise sur le thème des poupées LOL. À l'intérieur, il semblerait qu'il y ait un petit œuf qui cache, je sais pas, une bricole sur le thème des LOL. J'ai ensuite pris, toujours pour décorer les petits gâteaux, ce distributeur. Ça, chez Action, ça coûte vraiment une misère. Ailleurs, vous pouvez trouver ça à 5-6€. Là, ça coûte 1€ et je crois 17 centimes ou un truc comme ça. Je vous mets le prix. J'ai pris 4 paquets de lingettes, elles sont encore moins chères qu'avant, 89 centimes les Huggies. J'ai pris la gamme rose, elles sont clean, hein, c'est que de l'eau quoi. Donc voilà. J'ai pris des chaussettes Cendrillon, 1,69€ je crois, donc c'est les chaussettes licence Disney. Avec des petits, comment on dit là, un truc anti-adhérent là, enfin non justement. Bon, qui évite de glisser, voilà, je trouve pas bien mes mots, désolée. J'ai pris des planches de stickers sur le thème de Bob l'éponge, parce que ma fille est fan. Je trouve ça très mignon, moi j'aimais beaucoup aussi. Voilà. Et on arrive au bout. J'ai pris des petits buns pour lui faire des... J'ai pris des petits buns pour faire des chignons. Donc les deux. Des couverts en bambou. Puisque maintenant, ça, voilà, on élimine ceci. Je sais que c'est pas bien, mais... Moi pour le café au travail ça m'ira très bien. Une cuillère en plastique 45 centimes, donc c'est pour le café. Donc voilà ce vers quoi on va, je trouve c'est génial. Action, ils sont déjà à la page, ils ont commencé à en proposer des couverts en bambou. Voilà, vraiment pas cher encore une fois. Et la dernière fois je suis allée les acheter chez Monoprix, les couverts en bambou, je crois que j'ai payé 2,60€. Bon, j'étais dans l'urgence, hein, mais bon, comme je vous disais, des paquets de lingettes. Hein. J'ai aussi repris le liquide vaisselle que j'aime beaucoup, qui est naturel. Jasmin, je sais plus quoi. Oh, jasmin orange, voilà, c'est logique.
J'ai pris des serviettes de Noël, le grand modèle, douce et épaisse, sur le thème de Noël. Voilà, je ne sais pas combien il y en a à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir. Eh bien, je ne m'en rappelle plus. 20 serviettes sur le thème de Noël. Hop, on arrive bientôt au bout. Du scotch, j'en ai pris 2. Voilà, du gros scotch. Si vous avez des petits cartons à faire ou des choses comme ça, ça sert bien. Des sacs congélation avec zip, que j'aime bien, je vous les conseille. Il y en a, je me dépêche, j'ai toujours pas de batterie. 20 pièces. Des cotons à démaquiller maxi ovale. Le déodorant Dove qui est en promo cette semaine, 1 € et quelques. Un savon pour les mains écologique avec son flacon pompe. Donc du gros scotch. J'ai pris 2 bougies. Voilà, j'ai pris 2 bougies comme ceci. Effet cire à LED qui sont en promo à 77 centimes. C'est le petit modèle. J'ai pris une crème pour les mains marbre de la gamme marbre, là, 99 centimes, je crois. Un petit kit de jeu sur le thème de Noël pour ma fille, 99 centimes, je crois. Et une autre tasse avec des petits chocolats sur le thème de Noël pour offrir. Voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je suis aussi allée chez Jiffy où j'ai pris des stickers. Ce que j'aime bien, c'est que c'est des décorations de fenêtres, mais qui sont... électrostatique, donc il n'y a pas de trace sur les vitres. Et pareil ceci, vous voyez, avec des petits serre-têtes sur le thème de Noël. Voilà, encore un problème de batterie. Pour finir, j'ai pris des petites chaussettes pour les poupons de ma fille. C'est une petite bricole, voilà, mais je pense que ça lui plaira beaucoup. C'est pas cher non plus, c'est très mignon. Voilà, j'en ai fini avec ce haul. Écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit like si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de haul, parce que j'ai tendance à me freiner un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez acheté l'un de ces produits, si ça vous a motivé à acheter des choses ou pas. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Si je ne reviens pas vers vous avant les fêtes, je vous souhaite de passer de... Voilà, je vous embrasse, à très bientôt.